Salut petit cul, salut petit loup, salut petit clou. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler de manière un petit peu différente. On va faire en gros la moitié du cours d'un côté, la moitié du cours de l'autre côté. Donc vous allez bien voir un petit peu comment ça va se passer. Laissez-vous l'idée. Travailler sur l'ensemble du corps, vous avez besoin de matériel, vous avez besoin d'une bouteille de. On peut pas le dire la marque, mais vous avez besoin d'une bouteille de lait, ou alors d'un lait, d'une bouteille d'eau, d'une conserve, de quelque chose qui va rajouter un petit peu de poids à vos exercices. D'accord ? On en aura besoin dans très peu de temps, donc vous la mettez à côté. Et on va commencer par s'échauffer avec un petit travail d'abdominal. Donc, allongez-vous tranquillement. Vous allez pouvoir ramener les talons. Donc le crunch, c'est un exercice que vous connaissez qui va travailler l'ensemble de la sangle abdominale. D'accord ? 4, 3, 2, 1, main aux tempes, 2 et 2. On monte et on descend. D'accord ? Donc on regarde l'étoile d'araignée, on en profite pour vérifier le ménage qu'on va faire après la séance. Où sont les toiles d'araignée ? Où est la poussière ? 4 comme ça. On souffle sur la montée, d'accord ? Pour dégrossir un petit peu le ménage à suivre. Plus vous soufflez, plus vous allez enlever les toiles d'araignée, plus ça sera facile, mieux vous allez passer une bonne journée. Allez, on accélère le rythme en haut, en bas, haut et bas. Là, on met de la vitesse, on augmente un petit peu le rythme cardiaque, on tonifie les muscles. 4, 3, 2, 1, qui est bloqué en haut, stop. Voilà, épaules juste relax. C'est les abdos qui travaillent, d'accord. Je suis sûr qu'on peut monter un tout petit peu plus haut. Là, vous allez tendre les mains et ben, comme d'habitude, hein, si vous me suivez, on connaît, 16 pulses. 1, 2, 3, épaules loin des oreilles. D'accord, on cible le travail sur le haut de la sangle abdominale. 4, 3, 2, 1, stop. Ah, là on est pas mal. Donc on avait dit un côté, puis l'autre. Ok, vous allez juste monter la main qui est vers moi à la tempe, et vous allez croiser vers l'arrière. On monte. Et on pose, monte et pose. Donc un travail d'oblique. L'épaule monte vers le genou pour engager le côté des abdos. Il en reste 8, 7, 6. Gardez le coude grand ouvert. Je sais qu'on a tendance à tirer avec le coude pour monter un peu plus haut. Non, non, non. On ralentit tout super lent. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Si tout va bien, vous regardez le fond de la pièce dans la direction complètement opposée. 2 de plus. Soufflez et inspirez. Le bas du dos collé au sol. Ok, on accélère. 2 et 2. Haut et bas. Haut et bas, voilà, encore. Est-ce que vous arrivez à toucher votre genou avec l'épaule? 4 chances de plus. Par contre, attention, c'est bien l'épaule qui se déplace, c'est pas le genou. 2 de mieux. Pour finir cet exercice, on reste en haut, 16 impulsions. 1, 2, 3, 4, 5. Sentez-le dans le côté de la sangle abdominale. Gardez le genou au-dessus des hanches. Et rapprochez-vous encore, encore. 16, 15. Allez, faites chauffer votre sangle abdominale. On la refera chauffer encore une fois. Mais à la fin de la séance, il en reste 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, stop. Vous avez 15 secondes pour passer sur le côté. Vous avez besoin de bloquer votre bouteille de lait, votre bouteille d'eau, votre conserve, votre halter, juste au-dessus des genoux. Quand vous l'avez bloqué, allongez le haut du corps, paume de main posée devant pour l'équilibre. On monte les deux jambes, 4 temps. 4, 3, 2, 1, et 1, 2, 3, 4. En fonction de votre mobilité, c'est un tout petit mouvement. Si vous êtes bloqué, vous restez jusqu'à contrer 4. Il en reste 2. 1, 2, 3, 4, 4, 3,
2. Est-ce que vous sentiez ce qui se passe ici au niveau de la sangle abdominale? J'espère que oui. Wow. 2 et 2. En haut et en bas. Une légère pression au niveau de l'haltère, sinon vous allez mettre du lait partout. Allez. 4, 2 mieux. Haut, haut, bas et bas. On va essayer de reposer, de relâcher le haut du corps. Quitte à diminuer l'amplitude, mais vraiment pour isoler le travail. Single pour 16. Haut, bas, haut, bas. Là, si tout va bien, vous devez aussi sentir l'intérieur de la cuisse et le côté des fesses qui commence à chauffer, qui commence à brûler. Just wanna feel this moment. 8, 7, 6, wouh! Pardon, je m'enflamme. 4, 3, je m'enflamme parce que je sais que c'est la fin. Bloquez tout en haut. Stop. Détendez le haut du corps et essayez de monter un tout petit peu plus. Sentez la tension musculaire dans votre taille et à l'intérieur et l'extérieur de vos jambes. 15 secondes à tenir, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Ouais, on peut faire mieux encore. 10 secondes. Oui. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Là, on a 15 secondes. Gardez la bouteille à ce niveau-là. Là, l'idée, ça va être un gainage latéral. Donc, vous connaissez, c'est pour travailler ici, sur le côté des abdos. Montez, hop, les hanches. Stop. Voilà. Donc, on a un travail au niveau de l'intérieur des cuisses pour pouvoir garder la bouteille de lait sans l'écraser. Allez, 15 secondes de mieux. Si vous avez besoin, vous réduisez un petit peu l'amplitude. Vous pouvez très bien faire la même chose avec les deux jambes fléchies. D'accord? Pourquoi pas? 4, 3, 2 et 2. Haut et bas. Haut et bas. Voilà, détendez un peu vos épaules. Je sais qu'on s'est crispé sur les exercices précédents, mais à vous de vous détendre. 2, 4 de plus. D'accord? L'intensité peut venir au niveau des muscles. Ça peut être aussi l'équilibre. D'accord? Si l'un ou l'autre penche, si l'un ou l'autre manque, réduisez l'amplitude. Single. 8. 7. Vous avez vu que j'en compte 1 sur 2. C'est pour qu'on puisse en faire plus. Oh, si tout va bien, il en reste 4. 4. MLN. 3. Encore combien? 2. Encore 1. Et là, on reste en haut. Stop. Allez, accrochez-vous. Accrochez-vous. Et relâchez. Ok. Gardez votre coude au sol. Je sais pas vous, mais moi je ne l'utiliserai pas pour le petit-déj, hein, le mien. On va le garder pour faire les cours, pour refaire les vidéos qu'on vous a proposées et qui sont disponibles du coup sur YouTube, sur la chaîne Athletica.coaching. On va travailler un petit peu sur le du corps. L'idée, c'est pas de s'affaler, c'est d'être fier. Pensez à votre posture. Travaille sur l'épaule. On décolle. Bras parallèles au sol. Super lent. 4, 3, 2, 1, et l'un, 2, 3, et 4. Pensez posture. Là, ça sert plus à rien, on travaille plus. Voilà. Encore deux comme ça. Voilà. Stop. Et lent, 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 et lent. Donc, on reste complètement face à la télé. On n'est pas face au plafond. 2 et 2. Haut, haut, bas, bas. Haut et bas. La paume de main reste face à votre chaussure. 4 de plus. Si vous sentez que vous commencez à vous avachir, alors reconcentrez-vous sur les abdos et sur la posture. D'accord? C'est un travail général sur le corps. On accélère pour tonifier. 16 fois. Haut, bas, haut, bas. Touchez votre cuisse sans rebondir dessus.
D'accord ? Non, si vous affalez, c'est que vous avez une perte de contrôle et une perte de travail. Alors il vaut mieux le faire sans bouteille, mais le faire proprement. D'accord ? C'est vous qui choisissez. Il en reste 4. 3. 2. Et la dernière. Bon, il nous reste un seul exercice avant de passer à l'autre côté. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, vous allez pouvoir vous mettre à genoux. À genoux, on va mettre la jambe. Voilà, on a fait les élévations avec la main droite, d'accord ? Avec la main gauche. Si c'est la main droite qui a fait les élévations, c'est la jambe gauche qui se met devant. C'est toujours la même qui travaille. Si la main droite a fait les élévations, c'est la jambe gauche qui se met devant. D'accord ? C'est la même main qui prend la jambe, qui prend la bouteille. Départ dans 15 secondes, juste le temps de se mettre en place. Vous allez ouvrir et vous allez me montrer votre biceps. Et là, on fait un concours de biceps. Ouais ? Parfait. Ça, c'est la position de base. On a le coude à la hauteur de l'épaule. 4, 3, 2, 1. On ferme devant et on monte. On ferme. On monte. On descend. Et on ouvre. On ferme. On monte. On descend. Et on ouvre. Voilà. Pour l'instant, non. Encore une fois sur ce rythme. Ferme, ferme. Monte, monte. Descend. La même chose, plus rapide. Ferme, ouvre. 4, 3, 2, 1. Je sais que ça commence à chauffer. N'oubliez pas votre option. Continuez. Continuez. 8. 8. Allez, plus que 6. Plus que 4. Vous m'avez suivi, il en reste 2. Et c'est terminé. Single, continuez. Ouais. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, 20 secondes à tenir. 20 secondes à tenir. 20 secondes à tenir. Et là, vous vous demandez pendant combien de temps je vais répéter ça. Moi aussi. Moi aussi, je me le demande. Allez, dernière fois. Et on re-ralentit. On re-ralentit. Ferme. Monte. Descends. Et ouvre. Deux temps par mouvement. 1, 2. 1, 2. Allez, deux de plus. Est-ce que vous sentez votre épaule ? C'est les 10 dernières secondes où on travaille dessus. Les 4, 3 dernières secondes. 2, 1. Oh là là, hop. Ça fait du bien. Je vais plus vous appeler les petits culs, les petits coups, les petits clous, mais vous appelez les petites épaules maintenant. 4, 3, 2, 1. On démarre. Deux temps pour fermer et monter. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2 et 1. On fait la même chose depuis le début, mais en marche arrière. Voilà, parfait. Allez, 4 de plus. Non, 4, ça fait beaucoup. Une dernière alors. Vérifiez bien que le coude ne descende pas. On accélère. Allez, go. Ferme, monte, descend, ouvre. 4, 3, 2, un coup de devant, coup de côté. Voilà. On va rester un petit moment comme ça. Savourez. Savourez. Celui-là, il vaut mieux le faire au début, non ? Ouais, je crois qu'il vaut mieux le faire au début. Je crois qu'il faut mieux le faire. Mais bon, même si on le fait au début, on fatigue. Et on a tendance à faire descendre le coude. Non. Voilà. C'est beaucoup plus rigolo. Et on fait travailler en même temps l'arrière de l'épaule. 4 de plus. 1. 2. 2 de plus. Vous vous souvenez de la suite ou pas ? Non, c'est pas encore la pause. Un peu plus lent. Ferme. Pousse. Descends. Ouvre. Attention à votre dos. Attention à ne pas monter vers l'arrière.
Attention, plus au coude, 2 de plus. Allez, accrochez-vous. Je sais qu'on fatigue. Je fatigue avec vous. C'est pour ça que je sais. Dernière. Ok, là on est pas mal. Là on peut se poser sur le coude. On avait dit, on monte et on descend. Là on est sur la descente. Le coude sous l'épaule. Genou au sol. Jambe du dessus tendue. Hop, on va garder un petit travail sur l'épaule avant de venir faire un gros travail au niveau des abdos et des adducteurs. Et toujours en maintenant un travail sur l'épaule ici qui est au sol. Allez, élévation latérale, 4 temps. 1, 2, 3, 4 et 4, 3, 2, 1. On repose la bouteille ou l'alter ou le portrait ou le fils ou la fille sur la cuisse sans rebondir. On pense à la posture. Il en reste une de plus. Voilà, mouvement vertical pour travailler sur l'épaule. 2 et 2. You and me, set me free, what you say. Je sais pas parler anglais. Je chante parce que j'aime bien. Mais je sais pas parler anglais, je connais pas les paroles. D'ailleurs, si quelqu'un parmi vous propose des sages de langue, je prends. Allez, 2 de plus pour la route. 1 de plus. Et on accélère. 16. 15. Attention sans rebondir. Pour les plus en forme, ne reposez pas la bouteille sur la cuisse. Vous le voyez ? Si jamais, souvenez-vous votre option. Mais le bras reste tendu. D'accord ? Vous le tendez volontairement. Là c'est tendu. Là c'est encore plus tendu. 2 de plus. Ok, bah allez, on continue. 2 et 2. Haut et bas. Il y en a 8 en tout, il en reste déjà plus que 6 comme ça. Posture. Et on oublie la douleur. On oublie la douleur parce qu'on a tous mal. Il en reste 4. Allez, accrochez-vous. Bras tendu. 2 de plus avec la bouteille. Et le dernier. Ok. C'était quoi la suite? Les deux jambes tendues. D'accord? On va passer en gainage latéral. Vous avez 10 secondes. On verrouille, on décolle les pieds et on s'accroche en gainage. 4 temps pour monter. 1, 2, 3, 4 et 4 temps pour descendre. Voilà, on change de travail. Vous vous souvenez? Deux genoux fléchis si vous avez besoin de réduire l'intensité. 2 comme ça de plus. 4 temps. Ressentez le travail ici au niveau de la sangle abdominale. Ressentez le travail au niveau de l'adducteur et au niveau du moyen fessier. 2 et 2. Allez ! Pensez à votre taille que vous êtes en train d'affiner. Pensez à vos muscles que vous êtes en train de rendre plus fort. Oh, allez, 4. 3. La douleur, elle est là. Mais elle est essentiellement là. C'est vous qui décidez de tenir ou de pas tenir. Single. Single. 16. 5. 15. 15. 15. 14. C'est vous qui décidez de tenir ou de pas tenir. Quel muscle travaille. Je sais qu'on est fatigué. Mais là, on arrive vers la fin. 8. De plus. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et là, mon passage préféré. On bloque en haut. Stop. Je suis sûr qu'on peut monter plus haut. Toujours, poitrine ouverte. Pensez. Voilà. Oubliez votre épaule. Dans 10 secondes, on la relâche. Dans 10 secondes, on la relâche. Allez avec moi. 10. 8. 7. 6. 5. Montez plus haut. 4. 3. 2. Ok. Allez, on s'allonge. Les deux jambes tendues. On continue un petit peu le travail d'adducteur et de fessier. Et on rajoute un travail d'abdos. 4. 3. Les jambes montent. 4 temps.
1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Voilà. Let's go. Parfait, parfait, parfait. Dernière. Dernière. Est-ce que vous sentez le travail? 2 et 2. Abdos. Fessiers. Adducteurs. Voilà. Comme si on se tordait sur le côté. 4, comme ça. Haut et bas. Haut et bas. Soufflez, soufflez. Soufflez sur la montée, inspirez sur la descente. Accélérez. 16, 15, 14, 13. Ouais, je crois qu'on est ensemble. Je crois qu'on est ensemble. 8, 7. Allez, il nous reste 3 petites minutes à tenir. 3 petites minutes. 4, 3, 2, tchaka 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 tchaka, bloqué, stop, 30 secondes à tenir, détendez l'eau du corps, remontez les jambes, isolez le travail, abdos, adducteurs, fessiers, avec la fatigue on descend, non, 15 secondes, ça tremble mais je vous garantis que c'est pas la température, 4, 3, 2, 1, ok. Il nous en restait encore un petit. Vous n'êtes plus obligé d'utiliser la bouteille. L'épaule qui est vers la télé se dirige vers le fond de la salle. D'accord ? On va se tourner le dos quelques secondes, mais c'est pas grave. 4, 3, 2, 1, crunch oblique. 2 et 2, l'épaule vers le genou. Monte et descend. Haut, haut, bas, bas. Haut, haut, bas, bas. Perso, c'est l'épaule droite vers le genou gauche. Allez, continuez. Haut, haut, bas et bas. Deux de plus. Bon allez, tous ensemble, on accélère. Haut, bas, haut, bas. Toujours pareil, comme tout à l'heure, comme au début de la vidéo. Ce n'est pas le coude qui vous tire, mais l'épaule. Encore, encore plus haut. Haut, bas. Plus vous montez en vous tournant sur le côté, plus vous travaillez sur la taille. Restez en haut, pulse. 1, 2, 3, fixez votre genou et montez avec votre épaule. Haut, bas, haut, bas, haut, bas. Haut, bas, c'est lui. Eh, marsupilami. Allez, montez sur le côté. Sentez le travail au niveau de la taille. 4, 3, 2, 1, stop, attrapez vos genoux. Redressez-vous. Vous pouvez respirer. Vous pouvez boire du lait, de l'eau. Ouh, on ne sait plus. Mais je sens que tout ce qui est frais va faire du bien. En attendant, ou après avoir bu, vous pouvez prendre une grande inspiration. Vous pouvez vous applaudir et être fier de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à prochaine sur d'autres vidéos. Ciao.